Est-ce que Dusty Poulet vous a manqué? Moi oui, ben là on va le retrouver. Après avoir retrouvé Finn Wolfhard dans Le Char d'Honoré, sa chapitre 2, La Famille Adams et bien d'autres, je vous invite à voir un peu du côté de Gaëtan Matarazzo, parce que oui, Dusty Poulet va revenir sur une nouvelle série Netflix dans laquelle il va faire des canulars. Bonjour à tous et à toutes, fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour regarder la bande-annonce d'une nouvelle série Netflix avec Gaëtan Matarazzo qui se nomme Cauchemar et Canular, qui n'a même pas de page hallucinée. Donc du coup, je ne connais rien du tout du synopsis, je n'ai aucune affiche à vous dévoiler. Alors c'est parti, découvrons cette nouvelle série Netflix, cette nouvelle bande-annonce, pardon, de série Netflix. Le meilleur moteur, ça tourne, réaction, générique. Cauchemar et canular, bande-annonce, c'est parti. Voilà. Ah, c'est en voice FF. Hein? Quoi? C'est quoi ça? Dying to get a new assistant. You're gonna be a security guard. Do you feel comfortable with translating what's on the sarcophagus when it arrives? Make sure nothing bad happens to Xavier, or else. That bear moves. You're not my bear. Mais c'est quoi ça? Let's go. D'accord, oh la vache, d'accord. Ok, parce que au début je croyais qu'en fait Gaëtan Matarazzo jouait lui-même dans une série Netflix où il faisait des canulars, mais pas du tout en fait. En fait, dans la vraie vie, il a fait des canulars à des gens et je crois que le but de cette série, ça va être de mettre justement ces canulars en ligne sur Netflix sous forme d'épisodes. D'accord. Et en fait, oui, bah, Gaëtan Matarazzo, c'est un peu le réal de cette série, si j'ai bien compris. C'est vraiment bizarre, j'ai presque rien compris à cette bande-annonce, mais ok, j'ai peut-être compris. C'est peut-être Gaëtan Matarazzo qui travaille avec Netflix sur ce projet de série, travailler sur ce projet de série et qui a décidé d'enregistrer plusieurs canulars assez terrifiants. Et donc, il va sortir ces canulars directement sur Netflix, sous forme d'épisodes. Ok, waouh, j'avais pas compris, j'ai carrément cru que c'était carrément une fiction et que le jeune enfant s'amusait à faire des canulars et que ça allait mal tourner. Non, d'accord, d'accord, mais c'est vraiment Gaëtan Matarazzo qui fait des pranks et puis il met ça sur Netflix au lieu de YouTube. Ok, ok, ok. Ouais, bah j'ai pas grand chose à dire en fait. Il va y avoir plusieurs canulars et c'est assez terrifiant. Apparemment, il y a quelques petits budgets quoi. Il y a du sang et après les plans de caméra, ça se voit un peu que c'est fait en forme canular. Surtout au début, quand Gaëtan apparaît, il frappe à peine le gars avec un masque.
Voilà, hein, tranquille. Ok, et ça sort le 25 octobre. Ces petits épisodes de Canular sortent le 25 octobre sur Netflix. Donc voilà, si vous aimez Gaëtan Matarazzo et si vous avez envie de voir quel canular il a réservé à certaines personnes dans le monde, bah au lieu qu'il sorte sur YouTube, bah ça sort sur Netflix. Donc c'est un peu chiant parce qu'il faut un abonnement. Mais voilà, c'est toujours sympathique de voir un petit plus avant Stranger Things. Et au moins, si Gaëtan Matarazzo est vraiment le réal de cette petite série de canular, bah ça veut dire qu'il commence déjà un petit boulot de réalisateur et ça annonce du lourd pour sa carrière. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction à cette nouvelle série Netflix Cauchemar et Canular. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux, à suivre toutes mes autres vidéos et à activer la cloche, bien sûr, pour les suivre. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. C'était Esprit Z. Coupé.